Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est toujours avec un chat qui est content que El Cocho rentre la caillou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je tiens à vous parler d'un sujet que nous intitulé comme ça. Balance commerciale. Tout le monde a parlé de balance commerciale. Il y a des gens qui connaissent et des gens qui ne connaissent pas qui s'allient. Donc, je dis à la choix, nous allons essayer de voir les bases. Nous allons essayer de voir les éléments qui sont capables de permettre de comprendre qui est cette balance commerciale là. Ou même qui garde le tout, vous allez plus approfondir, vous allez plus faire recherche, aller dans la bibliothèque, aller sur Internet, faire plus recherche, argumenter, tout. Tout. Donc, ça, nous allons là, c'est des bases. Balance commerciale, c'est un élément que nous utilisons dans la comptabilité nationale d'un pays quelconque. Donc, c'est ce qui permet que vous contrôlez ou calculez la valeur existentielle de l'exportation par rapport à l'importation. Donc, nous dit que la balance commerciale, c'est la différence qui gagne dans ce qu'on a exporté et ce qu'on a importé. Là, maintenant, on va demander qui ça qui exportation et qui ça qui importation. Exportation, on prend le préfixe là, ex. Donc, c'est extérieur, ça veut dire une femme. Importation, c'est intérieur. Donc, tout ça que vous faites dans le pays où vous voulez vers l'extérieur, laisse ça vous parler de qui ça? De exportation. Tout ça que vous faites. Ou besoin de rentrer dans le pays, hein? Tel que vous achetez machine dehors. Donc, action ça, vous prenez dehors, portez vers l'intérieur dans le pays, hein? Vous avez ça, importation. Donc, très clairement, balance commerciale, hein? C'est un rapport différence, c'est un rapport qui existe entre exportation et importation. Donc, si nous avons fait mathématiques, nous avons dit c'est exportation moins importation. Dans la balance commerciale, vous parlez de la balance commerciale là, est capable de trois manières. Ça veut dire que vous avez trois résultats. Une balance commerciale de un pays capable positif, une balance commerciale de un pays capable négatif et capable en équilibre. L'année positive là, vous parlez de que la balance commerciale là est excédentaire. Gros mot. C'est-à-dire que l'année excédentaire nous dit que la balance commerciale est positive, c'est-à-dire que quantité de bagaille que nous avons vers l'extérieur, les supérieurs par rapport à la quantité de bagages que nous avons pris de l'extérieur pour nous porter vers l'intérieur. Par exemple, Haïti te produit coton. Pour qu'on y a là, on n'a pas la voilà là. Donc, il y a une petite bagaille qui a été exportée. Nous avons une petite usine qui a fait rail, qui a fait maillot. Donc, il dit, il parlait de textile. Donc, dans le secteur textile, Haïti exporté en pile. Donc, exportation, qui ça permet? Il permet que si vous êtes dans un pays, vous voulez aller vers un pays donné, tel que les États-Unis, et la République dominicaine, un pays quelconque, et le pays allez recevoir un produit et vous voulez l'argent. Donc, l'argent, ça que vous voulez, il va entrer dans l'économie et il va permettre que vous dissimulez dans l'économie, il va agir sous taux d'échange. Et ça fait nous dire que si un pays gère la balance commerciale bien, pour le positif, c'est-à-dire, pour quantité pour le produit plus pour le voyer vers l'extérieur pour qu'on rentre, la magie sur le taux d'échange qui permet que le taux d'échange il régule plus bien que s'il est en négatif. Nous ne pas dire que ça seulement résout le problème du taux d'échange, non, mais la participer parce que le taux d'échange lui-même, il y a un bon paramètre qui entre là-dedans, elle a parlé, les plus devant la bien pour approfondir ça. Donc, importation lui-même nous dit que c'est l'heure que ou pour bagarre de l'extérieur tel que machine que n'a pas importé j'allais dire les monde dit importé ça veut dire machine que n'a pas de pour dans pays donc ça n'a pas importé yo faut au moins par rapport avec ça nous même n'a mis de n'a voyé là nous songe dans le temps pour pas besoin faire historicité trop grandiose dans le temps le bateau était qu'on entré sur dans métropole pour venir joindre nous. Qui sa dirigeant nous yon, nous yon empereur, il te mandé, il te fait injonction pour bateau ça, pour nous plein, pour nous tourner dans la métropole là, plein. Donc, le bateau a venu charger bagay pour nous, c'est-à-dire que nous, c'est sa importation, mais nous même tout,
autorité dans le temps, il te fait sûr que bateau ça, nous plein de café, nous plein de cacao, nous pouvons y tout pour l'argent qui rentre dans le pays. Donc c'est ça, en relation internationale, nous devons agir pour payer le rapport qui existe dans le pays. Là, nous achetons dans notre pays, il faut payer le cachet dans le pays. Par exemple, en 2014, côté que nous avons gagné un déficit et un déficit dans la balance commerciale qui était dépassé les 2 milliards de dollars. Qui te dit, tu parlais ça de un crash, tu te parlais ça de un bon, c'est-à-dire qu'il y a un bagage qui fait hit. Donc, le nouveau déficit est comme ça, pays, hein, l'étonne vers l'appauvrissement. Donc, par contre, quelle baguette magique, tout autant nous pas goûter pour balance commerciale nous positive pour lui excédentaire de payant c'est râler le meilleur. Un bon exemple très banal qui est dans pas qu'à kembe. Si m'acheter si me produit pour 5 gouttes m'voye bay Allemagne. Allemagne prend produit là m'voye 5 gouttes là bas. 5 gouttes là entrée. Mais est-ce que 5 gouttes ça ca financer ça me besoin en tant que produit dans pays là. Donc m'produit banane m'voye bay Allemagne, Allemagne bam 5 gouttes mais me besoin patate. Donc, je acheté patate là dans les États-Unis. Je m'a acheté patate là dans les États-Unis. Quand c'était patate pour m'acheter, il est 10 gouttes. Donc, il est 10 gouttes. Donc, ça veut dire que 5 gouttes d'exploitation à partir de la financer, dépenses, importation, quand on a l'objet dans la réserve pays, dans la banque centrale, je m'en réserve là pour me prendre l'autre 5 gouttes pour me mettre pour me payer fournisseur. Donc, si chaque jour on a fait ça et mettez les mettez chiffre en milliard de gouttes pour eux. Donc ça veut dire que l'exploitation n'est pas financée dépenses importation vraiment. Or, il doit financer. Bref, donc nous disons exploration qui s'allie. Exploration, c'est le nous prenons produit dans le pays, nous envoyons de l'extérieur, comme la vie de nous, nous entrer dans l'économie. Donc nous disons que balance commerciale, l'excédentaire, c'est l'exploitation supérieure par rapport à l'importation. En d'autres verbes, c'est là que ça n'a produit dans le pays, hein, pour vous dire, hein, les plus par rapport avec ça n'a pris dans notre pays pour te dans le pays pas noir. Balance commerciale là tout, les cas déficitaires, c'est leur importation, hein, les supérieurs par rapport avec ça. C'est-à-dire que c'est leur ça nous prend de yo, les plus par rapport avec ça nous prend, nous voyons de yo. Et balance commerciale là tout, les cas en équilibre. Donc, si le cas en équilibre, c'est l'exploitation qui est égal à l'importation. Donc, dans les gauches, nous avons l'éducation. Prochaine élection va gagner, n'importe qui est un leader politique va parler avec nous. Bal ça, pas quitter le mamadoué pour 1000 gouttes. Mandel, qui ça va faire comme plan d'action pour être capable de remédier à la situation? Depuis 2014, balance commerciale, nous chroniquement déficitaire pour Haïti. Nous sommes de 2014 en 2010 en 2019 exportation nous était à 93,9 millions de dollars pendant que nous importait pour 351,41 millions de dollars. Donc sous ces grands timons nous voyons que différence là les déficitaires parce que importation plus et différence là nous avons une différence de 109,3 millions de dollars. Comment vous payez ça les développer. Comme on voulait vous dire, bon Dieu, qu'a venu délivrer. Donc, 109,9 millions de dollars de déficit, pays a un manque à gagner. Donc, en 2014 aussi, République Dominicaine a 2 milliards de dollars. République Dominicaine a 39% dans l'importation. Il vous a dit 39% de comme ça. C'est lui qui a participé dans le voyage de Baïban. Parce que nous-mêmes, nous ne voyons pas même 1% de Baïban. Nous voyons 0,03% de Baïban de Dominicaine. Donc, la relation internationale, ce qui est basé sur Chita. Donc, nous devons accentuer les leaders politiques, les politiciens, ou même qui sont militants, ou même qui sont étudiants, éducateurs. Il faut nous demander les leaders, il faut résoudre le problème ça. Pour au moins, la balance commerciale, nous n'est pas qu'à déficitaire tout le temps. Depuis 2014 jusqu'à 2019, nous sommes là. Et 2021 et 2022, comment ça a bien? Songez ça, balance commerciale là, pour nous résumer,
balance commerciale là, c'est rapport qui gagne entre exportation et importation. Tout pays qui voulait développer, il gère balance commerciale. Quantité quantité produit qu'il a recevoir, ça veut dire l'heure soit produit à premier comme là dehors, quantité corps, quantité produit qu'il a voulu dehors pour entrer. Ça yo un politicien, tout leader, c'est ça le moyen. Mandé leader nous yo, leur à l'élection. Qui plan ou gagne, plan d'action ou gagne, pour être capable de rendre que balance commerciale pays d'Haïti li excédentaire. C'était avec vous, Eric Ochoa, le show, le plus chaud de la ville.